pas étudier? Moïse. Moïse. C'est le seul qu'on a parlé, c'est quand même. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis d'autre? Qu'il y a des racines qui sortent d'en haut, qui vont dans les. Qui vont dans l'eau. Regardez. La racine, elle va sortir des branches, descendre dans l'eau, et au bout de cette racine, ici là, ça va récupérer l'eau. D'accord? Et toute cette pigmentation ici, là comme ça, va la permettre de respirer et de relâcher aussi ce qu'on n'en a pas besoin, de récupérer aussi des nutritions pour pouvoir se nourrir. Alors, vous allez voir que sur toutes les racines, vous allez avoir des pigmentations comme ça. C'est ça qui permet à l'arbre de respirer et de récupérer ce qu'on en a besoin. On dit rouge, pourquoi? Lorsque on casse la branche, à l'intérieur, une fois que ça va sécher, ça va devenir tout rouge. Une fois qu'on va casser, la petite chair, au lieu que ce soit blanc à l'intérieur, ça va être d'une couleur un peu rosée. D'accord? Secondo, cet arbre, pour pouvoir avancer à part avec les racines, elle va faire une fleur. Tout le monde voit la fleur qui est dans l'arbre. Il y en a une. Elle va faire une fleur comme ça. Ensuite, de cette fleur, va faire un petit pompon. Elle va sortir un petit pompon comme ça. Ce petit pompon va faire un haricot qu'on appelle une plantule. Elle peut atteindre jusqu'à 40 cm de long. Elle va se décrocher de l'arbre, tomber à l'eau, se mettre à flotter, faire des racines au bout et ensuite arriver à une hauteur d'eau à sa hauteur, s'accrocher pour donner ce que vous voyez là-bas.